وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد serviteur d'Allah Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, car la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure acquisition et son obéissance est la plus haute des attributions. Allah ta'ala dit, ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en état de pleine soumission. Serviteurs d'Allah, les gens se dépassent et se concurrence dans les caractères et dans les hautes moralités. Ils se dépassent et ils se concurrencent dans les paliers de la bienfaisance et dans les belles qualités. Le fait de pardonner aux fauteurs dans les choses de la vie et à celui qui a manqué dans les droits de la compagnie et dans les règles établies en matière de relations et le fait de fermer les yeux sur ses fautes et feindre l'inattention sur ses manquements et accepter ses faux pas font partie des meilleures et des plus nobles marques de caractère en islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets dans Surat Ali Imran et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis dont la largesse sont comme les cieux et la terre préparés pour les pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et qui pardonnent aux autres, car Allah aime les bienfaisants. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Ash-Shura, dans le sens des versets, ceux qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Ash-Shura, dans le sens des versets, « Et qui est atteint par l'injustice, riposte. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Certes, Allah n'aime pas les injustes. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, cela n'a pas de voie légale contre eux. Il n'y a de voie légale et de recours que contre ceux qui lèsent les gens et qui commettent des abus contrairement au bon droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et qui pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Allah Ta'ala à légiférer la justice qui est la loi du talion. Mais il a encouragé à un plus qui est le pardon. Le tabi'i Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah qui a rencontré notre mère Aïcha radiallahu anha et d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des compagnons et des tabi'in, ils détestaient se faire humilier. Et quand ils montraient qu'ils étaient capables de se venger, qu'ils avaient la force, ils pardonnaient pour Allah. Voilà comment étaient les sahaba et les tabi'in. Le pardon est plus proche de la piété. Le fait de tourner la page est plus noble. Et le fait d'oublier les erreurs que la personne nous a faites élève notre nom dans ce monde et dans l'au-delà. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam muslim, jamais une aumône n'a diminué de l'argent. Et Allah ne rajoute à un serviteur qui pardonne que de la considération et de l'honneur. Et celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Uqba ibn Amir al-Juhani
radiallahu anhu, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Uqba, lie les liens avec celui qui les a coupés avec toi, donne à celui qui t'a privé et pardonne à celui qui t'a opprimé. De même, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et il a dit, faites-vous miséricorde, Allah vous fera miséricorde, pardonnez et Allah vous pardonnera. Ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed et c'est un hadith sahih. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, dans l'histoire d'Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un serviteur qui s'est fait opprimer, qui a subi une injustice et qui a fermé les yeux pour Allah et qui a fermé les yeux pour Allah, le Tout-Puissant, sans qu'Allah ne lui donne une plus belle victoire. Oh vous les musulmans, le fait de patienter au moment de la colère et d'être indulgent quand quelqu'un agit avec nous par ignorance et par injustice et de pardonner l'erreur est un degré très haut, très élevé et une qualité honorable. Ne peut l'atteindre que les patients, les bien guidés, ceux qui ont reçu la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le sens des versets dans sourate Fussilat, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, décrit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme il était rapporté dans Sahih al-Bukhari. Il n'était ni brutal, ni rude, ni crieur dans les marchés. Il ne repousse pas le mal par le mal, mais il pardonne et il fait grâce, sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère et la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rien frappé de sa main, ni une femme, ni un serviteur, sauf quand il combattait au service d'Allah. Jamais il ne s'est vengé d'un tort qu'on lui avait fait, sauf s'il s'agissait d'une transgression des limites sacrées d'Allah, le Très-Haut. Dans ce cas-là, il se vengeait pour Allah, le Très-Haut. Serviteur d'Allah, personne ne peut prétendre être préservé ou prétendre à la tranquillité et au bonheur et à la quiétude et à l'apaisement sans que son cœur ne soit préservé des insufflations de la haine et de l'ébouillonnement de la colère et du feu de l'animosité et de la jalousie et de la haine. Celui qui garde dans son cœur l'animosité et qui cherche, qui attend l'occasion pour pouvoir se venger, qui garde le mal en lui, sa vie va se pourrir. Sa personne, son esprit va être dispersé et son corps va faiblir à cause des soucis et de la haine qu'il porte. Et son honneur et son nom seront touchés. Tout le bien, toute la tranquillité, c'est dans le fait de fermer les yeux et d'oublier et de pardonner. Dans le fait de feindre l'inattention. Feindre l'inattention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as compris qu'on se moque de toi, mais tu fais comme si tu n'avais pas compris. Tu as vu qu'il te fait du mal, mais tu fais comme si tu n'avais pas vu. Tu passes pour un idiot, pour un mutaraffil.
pour un insouciant qui comprend rien, mais tu comprends très bien. Feindre l'inattention. Écoutez ce qu'a dit l'imam Ahmed sur cette qualité-là, at-taghaful. On lui a dit, oh imam, on a dit que tout le bien, le fait d'être préservé de tout mal, il est divisé en 10 catégories. Et que 9 dixièmes de ce bien, du fait d'être préservé de tout mal, c'est dans le taghaful, dans le fait de feindre l'inattention. L'imam Ahmed, rahimahullah, a répondu non. 10 catégories sur 10 pour être préservé, c'est dans le fait de feindre l'inattention. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit dans des vers de poésie dans le sens « Quand j'ai pardonné et que je n'ai gardé de haine envers personne, j'ai apaisé mon âme des soucis de l'animosité envers les autres. » Allahu Ta'ala a dit dans le sens des versets dans Surat Al-A'raf « Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. » Quelqu'un qui t'offre un pardon, une excuse raisonnable, accepte-la, ne sois pas trop exigeant. Pardonnez-vous entre vous dans ce mois béni, serviteur d'Allah. Et passez outre la personne qui vous a fait du mal. Tout cela en cherchant le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En espérant être parmi ceux qu'Allah va affranchir et pardonner dans ce mois béni. Et sortez de l'étroitesse des disputes vers la largesse de la discussion et de la difficulté des relations vers des bonnes relations apaisées. Et pliez le tapis de la guerre et de la haine et de l'animosité et de l'éloignement. Et liez les liens de fraternité et prenez les causes d'amitié et d'amour. Et acceptez les excuses d'autrui, car accepter les excuses fait partie des plus nobles caractères. Et si, quand vous voyez que vous êtes capable de vous venger, de vous faire justice, alors pardonnez en reconnaissance envers Allah qui vous a donné cette capacité de pouvoir vous défendre. Pour finir, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma a dit: un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, ô messager d'Allah, combien de fois on pardonne à un servant? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Il a redemandé une deuxième fois, il s'est tu. Il a demandé une troisième fois. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, pardonne à ton servant 70 fois par jour, ton servant. Alors qu'est-ce qu'on va dire avec ton ami ou ta famille ou... Abil Ahwas rapporte selon son père qu'il a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, il y a un homme, quand je passe à côté de chez lui, ni il ne m'honore, ni il ne m'invite. Est-ce que quand lui, il passe à côté de chez moi, je lui réponds pareil? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, non! Quand il passe à côté de chez toi, honore-le et invite-le. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Tirmidhi et c'est un hadith authentique. Serviteur d'Allah, comment des créatures et un être humain manquant comme nous peut être aussi intransigeant envers les autres et ne jamais accepter les erreurs des gens? Est-ce que nous n'avons rien à nous reprocher vis-à-vis d'Allah, puis vis-à-vis des gens? Comment peut-on être aussi intransigeant avec les autres? Comment on peut avoir si peu de rahma, si peu de miséricorde et de pardon dans les poitrines? Comment quelqu'un qui prétend à la miséricorde d'Allah et à son pardon peut être aussi dur avec les créatures d'Allah? Allah Ta'ala dit dans le sens des versets qu'il pardonne et qu'il tourne la page. N'aimez-vous pas vous-même qu'Allah vous pardonne? فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما